Greg s'y casse débat. Janelle se casse tout court. Les deux heures à bomber sud, j'ai pas attendu le peur pour bomber le torse. Y'a pas de Janelle, y'a pas de KX. Et deux heures à bomber sud, j'ai pas attendu le peur pour bomber le torse. Les fils de pute sont perchés sur de grandes échasses. On recommence. Les deux heures à bomber sud, j'ai pas attendu le peur pour bomber le torse. Les fils de pute sont perchés sur de grandes échasses. On reconnaît un homme à sa faculté à passer outre les grands échecs. PDP, ouais c'est classe. J'ai retiré le nez rouge de plusieurs clowns. Ce soir je m'enivre dans la chaleur d'une gaufre qui fait face à la rive. J'ai au moins le mérite de faire face à mes rêves. Y'a pas ce qui essaie d'arrêter le cannabis. Il me faut de bonnes raisons d'accepter les rides. Le portrait de Dorian dans le couloir d'un hôtel près de la plage. Hey, Kiki, remets de la bud. Je vais prendre ma quiche, tu vas prendre ta queue. Hey, Kiki, sur la prod. Je vais prendre mon buzz. Fuck, je vais prendre ma quiche, tu vas prendre ton buzz. En fait, c'est fini, on se claque la bise. Ça vient d'où ça comme, enculé, check la plaque. A skip, tu vides ton peur, à check la blague. Ça apparaît bizarre, un bon mal à 120 sur le dodan. Immunisé, sans totem. Je refuse des licences, des distribs. Ils veulent payer pour ce que capture le kecha quand l'alcool se distille. Ok les gars, je viens de rentrer là de la salle, j'ai mangé. Aujourd'hui c'était leg day, donc j'ai fait mon squat. Vous avez vu mes fesses là. Je vous ai mis, j'ai vu vos commentaires sur la dernière vidéo, du coup j'ai mis, je me suis filmé de profil pour que vous puissiez me voir, commenter un peu, me dire si je fais des erreurs, si mon mouvement il est bon ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que, en regardant les vidéos là, et il y avait eu un commentaire d'ailleurs dessus, c'est je monte mes talons en fait. Mes talons ils sont pas posés au sol quand je pousse la barre, ouais, quand au mouvement du vers le haut quoi. Et bah mes talons en fait ils sont un peu comme ça, tu vois, ils sont pas à plat quoi. Donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas si c'est un manque d'équilibre ou je sais pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux travailler ça. Et si vous voyez d'autres erreurs, dites-moi aussi s'il y a pas assez d'amplitude ou quoi. Mais je pense honnêtement que l'amplitude ça va. Il y a juste le problème du talon. Je sais pas. Je ne sais pas comment y remédier. J'ai eu pas mal de questions hier, notamment un commentaire. Oh là. Notamment un commentaire. Donc je vais lire le commentaire et répondre aux questions. Tac tac tac. Si j'y arrive. Donc ce commentaire c'est Faker. Désolé, hein, je sais pas si comment on dit ton prénom. Et dans ton commentaire tu dis que tu veux te transformer physiquement avant tes 30 ans. Donc déjà bravo de t'être fixé cet objectif, c'est super. Mais dans ton commentaire tu dis que tu débutes et que tu te poses pas mal de questions et que t'es noyé dans un océan d'informations un peu diverses. Donc tu me poses pas mal de questions. Donc la première question c'est comment tu trouves la motivation de t'entraîner seul? J'ai encore éjecté le disque sans faire exprès. Comment je trouve la motivation pour m'entraîner seul? Ça, honnêtement, c'est... En fait, il faut être vraiment déterminé. C'est ça que je dis. Moi, j'ai l'habitude maintenant, mais au début, en fait, c'était même pas une question. Je me disais même pas le matin, est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui? Je savais la veille au soir que j'allais m'entraîner le lendemain. Enfin, je savais quelle séance j'allais faire et j'avais hâte, en fait. J'avais hâte parce que c'est vraiment... En fait, il faut vraiment, je pense, que ton objectif, ta transformation physique là, ce soit un objectif, limite tu sois obsédé par cet objectif, tu penses qu'à ça, tu te réveilles, tu penses à ça, avant de dormir, tu penses à ça, il faut vraiment que ce soit ta raison de vivre pour jusqu'à tes 30 ans quoi, comme tu dis dans ton commentaire. Et si vraiment t'arrives à un peu devenir obsédé par cet objectif, il n'y aura pas de question de motivation ou quoi que ce soit, juste même quand tu n'auras pas la motivation, tu vas y aller. Par exemple ce matin, j'avais vraiment la flemme d'aller faire les jambes, mais j'y suis quand même allé. Et quand tu as une petite baisse de motivation comme ça, par exemple, petit doute, genre est-ce que j'ai envie d'aller faire les jambes, faut juste se mettre en mouvement et y aller quoi, tout simplement. Il y a ma casquette qui gêne, sorry. Juste y aller en fait, tu te réfléchis pas, tu te mets en mouvement, tu vas faire ton sac et tu sors de chez toi et tu te retrouves à la salle directement. Et une fois que tu es à la salle, tu vas pas juste t'asseoir et regarder les jambes. Donc tu vas faire les jambes par exemple pour moi aujourd'hui. La motivation pour m'entraîner seul, honnêtement, c'est vraiment parce que je suis déterminé à fond et que remplir mon objectif, c'est un des trucs les plus importants dans ma vie actuellement. Donc du coup vraiment une tunnel vision, la vision tunnel, waouh. Moi, l'inverse. Mais voilà comment je trouve la motivation pour m'entraîner tout seul. La deuxième question, c'est comment tu as trouvé tes charges et ton plan d'entraînement. Je te conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite, je la mettrai en lien là, dans laquelle j'explique tout mon plan d'entraînement. Et honnêtement, comment j'ai trouvé mon plan d'entraînement, c'est juste j'ai regardé plein de vidéos de plans d'entraînement différents. J'en ai testé pas mal d'exercices, voir lesquels j'aime bien, lesquels me font ressentir les bons muscles, etc. Et ensuite, pour ce qui est des charges, faut juste que quand tu fais ta série de travail, les poids ils soient assez lourds quoi, pour que tu galères à faire ta série, mais tout en gardant le mouvement optimal. C'est-à-dire, imaginons tu fais du squat par exemple, il faut que ton mouvement il reste optimal, donc tu sens bien tout en bas, t'es une amplitude complète, mais que par exemple, si tu vises 12 répétitions au bout de la 10e et quand tu arrives à la 12e, tu sois vraiment à une ou deux répétitions de l'échec. Comme ça, tu permets à tes muscles de grossir.
Et c'est un peu le but, hein, concrètement. Donc voilà comment j'ai trouvé mes charges. Il faut vraiment que le mouvement y reste parfait, mais que l'intensité, elle devienne de plus en plus compliquée séance après séance. Une autre question que tu poses dans ton commentaire, c'est est-ce que 3 entraînements par semaine pour un débutant, c'est suffisant? Et ça rejoint un peu ta question d'avant, parce que dans la vidéo que j'ai faite là sur mon plan d'entraînement, je donne pas mal de plans d'entraînement à la fin de vidéo pour justement les différentes fréquences d'entraînement par semaine. Donc pour un débutant, 3 entraînements par semaine, c'est largement suffisant, mais il faut que tu fasses du full body. Donc il faut que chaque séance, tous les muscles de ton corps soient ciblés, quoi, comme ça. Travaille 3 fois par semaine et ça permet de construire plein de muscles, parce que si tu fais un muscle le jour 1, un muscle le jour 2, un muscle le jour 3, il n'y a pas assez de fréquence et du coup tes muscles ne vont pas vraiment grossir. Donc je te conseille vraiment vraiment d'aller voir la vidéo, comme ça tu auras plein de détails, plein de plans d'entraînement pour toi, donc 3 séances par semaine. Et pour répondre à ta question de base, 3 entraînements par semaine, c'est vraiment suffisant pour un débutant. Une autre question que tu m'as posée, c'est comment savoir le nombre de calories que tu dois manger par jour. Et ça, bah on va faire tout de suite là. T'écris calculateur de calories. Mais là, en gros, tu remplis toutes tes données. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a âge, sexe, poids, taille, l'objectif et le niveau d'activité. Et donc, tu remplis ça avec tes informations et ils vont te donner le nombre de calories à manger par jour. Pour toi, si j'ai bien compris, c'est la prise de muscle. Donc, tu mangeras un petit peu au-dessus de ta maintenance calorique. Et justement, ça rejoint la dernière question que tu m'as posée qui est est-ce que faire de la musculation et avoir une bonne alimentation, ça suffit pour prendre du muscle même en étant sédentaire? Et justement, ça, c'est parfait parce que dans le calculateur de calories, tu peux mettre justement ton niveau d'activité. Imaginons si tu es sédentaire et que tu t'entraînes 3 fois par semaine, il va y avoir cette option. Tu cliques sur cette option et là, ce sera totalement personnalisé. Ils vont te dire exactement quel nombre de calories manger par jour en fonction de toutes tes données, de ton objectif et de ton niveau d'activité. Et là, tu as juste à suivre, à manger le nombre de calories qu'ils te disent. Et là, avec ça, tu vas te rapprocher de ton objectif jour après jour si vraiment tu exécutes bien le plan. Mais voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Aujourd'hui, le plan là, cet après-midi, je vais travailler sur la vidéo là pour vous la sortir ce soir. Je vais aller courir aujourd'hui parce que j'aimerais bien faire 3 séances avant de partir au ski. Donc avant-hier, ouais, j'en ai fait une. Aujourd'hui, j'en fais une. Et vendredi, avant de partir et de prendre la voiture, je vais en faire une aussi. Comme ça, j'aurais fait 3 séances, petite reprise toute tranquille, mais petite reprise quand même. Je réhabitue un peu mon corps à courir, quoi. Et je vais aussi filmer le story time là de la Corée du Sud, de mon voyage en Corée cet après-midi. Et il sortira certainement samedi ou dimanche quand je serai au ski en pleine en train de faire des godis et tout dans la neige. D'ailleurs, j'aurais besoin de votre aide pour cette période-là quand je serai au ski. Honnêtement, ça va être vraiment short de faire des vidéos tous les jours. Je vais essayer de m'avancer, mais ça va être vraiment galère. Donc, ce serait cool juste qu'on discute d'un sujet par jour. Comme ça, il n'y a pas trop de montage et tout. Ça va pas être trop, trop galère pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de sujets à aborder, que ce soit autour... pas de la musculation, du sport, de la santé, tout ça. Je suis ouvert à tout. Donc n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo assez courte aujourd'hui. Mais on se retrouve demain donc pour petit débrief de la course. Là, j'ai super hâte d'y aller. Et demain, je vais faire une séance pec et dos, haut du corps quoi, pour ensuite repouvoir faire jambes vendredi une dernière fois avant de partir au ski. Et pour pas non plus trop défoncer mon épaule parce que j'ai pas mal là, mais je sais pas si quand je vais faire les exercices, j'aurai mal. Donc ça, je m'adapterai demain, mais je vous dirai de toute façon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, les gars. Régalez-vous. Vous bien, mangez bien à votre faim, voire un peu plus si vous êtes gourmand. Et ce soir, il y a le match de la France, demi-finale, ouais, contre le Maroc. Donc, on se retrouve aussi demain pour une petite réaction là sur le résultat. Je pense 2-0 pour la France, voire plus. J'espère en fait, j'espère. Et ensuite, on va défoncer les Argentins là parce qu'ils font un peu les malins depuis qu'ils ont gagné. Mais ça, on verra demain, les gars. Je vous fais des gros bisous et à demain. On va faire tour de la côte si la mer est cristal. Mais tout dans la gauve, on va faire tour de la côte si la mer est cristal.